Vraiment, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve encore chez votre coach, Juste Novit. Alors, mes chéris, on s'attrape dans cette vidéo. J'aimerais vous signaler déjà, faut être patiente. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, c'est là-bas, 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 à la fin, il y a le secret. Voilà, donc, je vous retrouve, je vous consente. Sinon, moi, je me porte super bien par la grâce de Dieu, mes chéris. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé. Aujourd'hui, j'ai dit non, ça suffit, je vais dévoiler tout. À cause de quoi? Voilà. Alors, mes chéris, je vous aime beaucoup. J'aimerais vraiment vous encourager à avoir un dermatologue. C'est très important. Et moi, j'ai béni Dieu pour mon dermatologue. Je vais vous signaler aussi. Et pour votre information, mon dermatologue, c'est pas le dermatologue qui m'avait aidé pendant que j'avais l'acné. Donc, j'ai changé. Donc, voilà. Ça, c'est un dermatologue privé. Et c'est un Italien. Voilà. Donc, il travaille avec sa femme. Juste pour votre information, peut-être très bientôt aussi, on sera ensemble avec un dermatologue qui est trop gentil. Donc, il a vraiment un grand cœur et donc, il partage et il te dit des choses et voilà. Alors, c'est quoi il m'a conseillé pour avoir vraiment une peau mature et qui est jolie, nette, cristal et tout. D'établir une routine, une bonne routine matin et soir. Et puis, dans la routine, de faire de mon mieux que mes nettoyants puissent contenir les acides que vous voyez là, glycolique, salicylique et EHA. C'est très important. La peau mature demande des choses qui sont fortes, qui vont vraiment fonctionner. Et puis avoir des sérums de traitement anti-âge, et sérums anti-rides et puis éclaircissants, bien sûr. Et puis ne jamais, jamais dormir avec le maquillage. Je sais que plusieurs d'entre nous, on les connaît, mais il y a aussi les fainéants entre nous. Voilà, donc il ne faut pas faire ça parce que là, c'est ça qui dérange. Alors la dernière chose, il m'a dit, donc vu mon histoire avec l'acné et tout, alors il m'a dit pour prévenir, pour que je puisse mettre vraiment la barrière pour que l'acné ne puisse plus revenir, j'ai besoin de ces capsules. Donc il m'avait mis sous cure. Il m'avait mis sous cure de 4 mois de prendre chaque jour ces capsules qui est l'imécycline. Donc, c'est super. Donc, ça vient comme antibiotique, voilà. Et donc, vous connaissez l'antibiotique, c'est rouge et puis blanc, voilà. C'est comme ça. C'est à prendre chaque jour, le matin et le soir. Alors, ici, je voudrais dire quoi? Toi qui as l'acné, et tu as essayé tout, tu as essayé le remède naturel, ça n'a pas marché. Tu as essayé tout et tout. Alors, ces capsules, ça ne se vend pas direct comme ça. Dans des pharmacies, il faut la prescription de ton médecin. Donc, il faut dire à ton dermatologue de te prescrire ça. Et puis après, maintenant, tu vas aller acheter ça à la pharmacie. C'est super. Et donc, il m'avait mis sous cure de 4 mois pour ne plus avoir l'acné. Donc, quand j'ai dit l'acné, vous comprenez, l'acné, c'est pas les petits boutons qu'on a et quand on est dans nos périodes, non. L'acné, même l'acné. Donc, pour que ça puisse plus revenir, il m'avait mis sous cure de 4 mois de ça et tout. Et voilà. Donc, je reviens encore. Vous avez l'acné, ça vous a fatigué. Le gros bouton. Je vois vos photos, mes chéris. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de venir en aide pour vous tous, mes abonnés. Donc, partout où vous êtes, en Afrique et partout, cherchez ce médicament. C'est un antibiotique qui est très fort. Ça va vous aider. Ça va vous aider à vous débarrasser de l'acné. Voilà. N'importe quelle acné vous avez, parce que je vois, il y en a, c'est gros, il y en a, voilà, donc n'importe quelle acné vous avez, acné chronique, il faut aller voir votre dermatologue, en parler, et puis voilà, et voilà, donc moi j'étais sous cure de 4 mois, donc tout dépend de ce que votre dermatologue va vous dire, encore votre médecin, voilà, donc c'est bon, et puis aussi, il faut demander aussi les effets secondaires, parce que c'est l'antibiotique, il faut savoir, même quand on était en Afrique, quand on prenait l'antibiotique, il y avait toujours les effets secondaires, les vomissements, les signes de un peu de vomissement, voilà, donc tout médicament, tout antibiotique a toujours les effets secondaires, tout dépend du corps, donc, ou encore tout dépend des hormones. Il faut savoir que les antibiotiques, tout antibiotique a toujours des effets secondaires ou encore tout médicament. Voilà. Et donc, c'est ça. C'est vraiment ça que je voulais vraiment vous partager aujourd'hui. Et je me suis dit, non, il est temps vraiment de vous dévoiler un peu ce secret. Vous avez l'acné, ça vous a fatigué. Et vous avez l'acné qui va et qui revient. Et vous avez l'acné, vous avez essayé tout le remède et ça n'a pas marché. Voilà, la solution est là. Essayez, vas-y voir votre médecin, ça ne se vend pas sur le marché, je ne sais pas en Afrique, ça se passe comment, mais ici en Europe, c'est pas, tu vas te présenter et puis acheter ça directement, non, ça doit être sous prescription, voilà, j'espère que vous avez vraiment aimé la vidéo, partagez aux amis, pourquoi pas,
aimer, pousser en haut et on s'attrape. Eh, eh, tu n'es pas abonné? Ah bon? Ah mais non, mais là moi je dis pas bye bye, j'attends jusqu'à ce que tu vas t'abonner. Ah oui, je suis là. Ah, tu as fait ça? Ok, bye bye.